Neymar de l'info. Voilà, en public, le marre de l'info. Et on commence avec cette bonne nouvelle. Une semaine après ses 70 ans à Bercy, les médias parlent encore de l'incroyable performance de Johnny Hallyday. Et vous avez encore des vapeurs du concert, Fabrice Luchini. Non mais c'est tout à fait normal, Sébastien. Vous l'avez vu faire son show quand il s'est roulé par terre pour faire l'amour avec son pied de micro. C'était énorme. Ah oui, ça c'est vrai. Non, d'ailleurs, vous savez que Johnny Hallyday doit toute sa carrière d'homme viril à son pied de micro. Vous imaginez à 70 berges, 2h30 de concert devant des milliers de veufs clito en chaleur. Heureusement pour Laetitia qui... Heureusement pour Laetitia qui l'a son pied de micro. Ah, parce qu'à son âge, ça lui sert de béquille pour entrer à la maison et tuteur après dans la chambre à coucher. Ah, Johnny, pour moi, n'a pas d'âge. Il garde en lui un instinct d'animal sauvage. Car grâce à la seringue que lui a refilée Lance Armstrong, il serait encore capable de nous faire des claquettes avec des tongs. C'est totalement halidesque, ça, non ? Les sapeurs-pompiers de Reims sont intervenus pour circonscrire plusieurs feux. Des feux de poubelle, c'était rue André Pinga. Que comptez-vous faire, Madame Taubira ? Eh bien, monter un atelier de pyromanie. Dans ces cas. Pour aider à calmer ces citoyens qui sont au quotidien terrorisés par l'agressivité des poubelles et de leur tri sélectif. Pourquoi trier ? Alors que nous pouvons dans une société, nous vivons dans une société de mixité. Car si j'accepte cela, que cela devient-elle ? C'est la pantoufle. Ne vous moquez pas. Pas du tout. Si j'accepte cela, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comprenez-vous? Oui, je comprends bien, oui. Vous comprenez, monsieur Vuitton? Non, pas monsieur Vuitton, c'est pas les sacs à main, c'est monsieur Giton. Ah, c'est dommage parce que vous avez deux belles valises, là. Merci beaucoup. Vous me faites penser à Moscovici, comme ça. À votre? À Moscovici. Ah oui, d'accord. Oui, vous avez les mêmes. Les cheveux en plus, hein. Non, mais franchement, ce n'est pas la faute de nos jeunes. Depuis que nous leur avons imposé le concert du vieux à la télé qui gueulait « allumer le feu », ils ont fini par passer à l'acte en mettant le feu aux poubelles. C'est ça la vérité, monsieur Vuitton. Non, moi, c'est pas Vuitton, c'est pas comme les sacs, c'est Giton. Ah bon? Pourtant, on peut dire que vous avez deux belles poignées d'amour, là. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Le célèbre groupe texan ZZ Top sera bientôt au concert au Millésium à Épernay. Et vous allez y assister, madame Hazan. Eh bien, écoutez, oui, premièrement, parce que j'adore les barbus, et deuxièmement, pour une fois qu'il y a deux zizi au top en Champagne-Ardenne, je ne vais certainement pas passer à côté de la potion magique sans boire au robinet. Oh là là. À bon entendeur, salut. Ça y est, c'est déjà fini. Oui, oui, oui. Oh bah, vous savez, on fait en fonction de la taille du zizi. Trois responsables du magasin Ikea à Reims-Tilloy ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'espionnage envers les clients et les employés. Et alors ça, ça vous agace, Guy Bedos? C'est exactement ça. Ça m'agace. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais ils nous emmerdent, ces Suédois, avec leurs meubles en kit, là. Et leur merde de piaf dans leur gâteau au saumon. Mais c'est vrai, quoi. Espionnage de mes fesses, oui. Et les Gisbon Girls? Ils sont où, les Gisbon Girls? Certainement pas dans les allées du labyrinthe infernal du roi de la pièce détachée. C'est un peu comme si Intermarché avait fait coffrer ses trois mousquetaires. Sauf que chez Ikea, Athos, c'est le nom d'un abat-jour. Aramis, c'est celui d'une table basse. Et Porthos, celui d'un tapis en véritable poil de Lisbonne. J'en ai marre! Ce soir, c'est la 32e édition de la Fête de la Musique. Alors, quel est votre programme, Patrick Sébastien? Putain, c'est génial! J'en sais rien du tout! Putain, je veux dire, j'en sais rien du tout! Non, mais je veux dire, c'est ça la vie, quoi! Je veux dire, tu prévois rien! Hein. Comme ça, t'es sûr de jamais être déçu! C'est Hollande qui m'a refilé ce truc-là! Ça marche vachement bien! Non, alors, je sais pas, moi, si t'étudies bien le truc, pour la fête des mères, Delanoé avait fermé les voies sur verge. Je crains le pire. Pour la fête des pères, DSK avait fait don des siennes. Alors bah pour la fête de la musique, comme c'est le premier jour de l'été, bah il vous reste plus qu'une chose à faire, chanter sous la pluie, quoi. Hein? Attends, je vais le faire, ok? D'accord. Ouais, on vous écoute. Je chante
malgré les intempéries qui nous pourrissent la vie. Même si à Lourdes tout est inondé, la Vierge on peut la, la Vierge on peut la, la Vierge on peut la drainer. C'est la fête. Pierre-Yves Noël, le marre de l'info, bravo. Oh, merci mes amis, ça fait du bien. Bonne fête de la musique, Pierre-Yves Noël, sur des textes de... Yves Moreau-Giacometti et Guy Vasconi. À dimanche pour la rediffusion, 8h50.